J'en suis comme toi, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft les amis. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Alors du coup qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Voilà, comme vous vous rappelez pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier, voilà, mon fils s'est donc du coup fait capturer. Et donc du coup voilà, c'était une fille un petit peu étrange, voilà, une fille qui faisait quand même assez peur en tout cas d'apparence, parce que du coup elle avait un petit peu la dégaine d'une vampire et tout. Bon, au début je le faisais pas trop confiance de base, mais voilà, quand j'ai vu ce qu'elle a fait à mon fils et quand j'ai vu comment elle a été méchante avec lui, et bah en fait je me suis même rendu compte qu'en fait elle a capturé mon fils. Et donc du coup dans cette vidéo ce qu'on va faire c'est qu'on va tenter de le retrouver par tous les moyens possibles. Donc évidemment je ne sais pas dans quelle direction exacte ils sont partis, mais je les ai vus partir tout droit là-bas. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va y aller. Et en fait ce que je vais faire c'est que, étant donné que je sais que cette fille elle travaille tous les jours, je vais aller me rendre à son lieu de travail, c'est à dire devant l'épicerie. Donc elle travaille juste en haut de l'épicerie. Mais évidemment les amis, juste avant que l'on commence la vidéo, je compte sur toi pour que dès maintenant tu t'abonnes à la chaîne YouTube en activant la cloche de notification. Voilà, pour t'abonner t'as juste à cliquer sur le gros bouton rouge comme tu peux le voir juste ici. Et puis t'actives la cloche juste après, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis si tu ne l'as pas encore fait, pense aussi au petit pouce bleu, ça me ferait trop plaisir. Et puis en plus c'est gratuit et ça prend 2 secondes, donc clique sur like, ça me ferait trop plaisir. Et puis si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas aussi à cliquer sur le bouton rejoindre, comme ça tu deviendras sponsor de la chaîne et tu ne louperas plus aucune de mes vidéos, parce qu'il y a des vidéos qui sont spécialement réservées aux sponsors. Donc du coup voilà, si jamais tu veux devenir sponsor, il y a un lien qui se trouve dans la description, voilà, en deuxième ligne. Et puis tu pourras faire comme du coup Nounou, Amir, Kiki et YoYo Game, qui sont du coup devenus sponsors Mega King, comme vous avez pu le voir. Voilà, ils ont pris le plus gros grade sponsor qu'il pourrait y avoir. Et si vous voulez une dédicace dans ma prochaine vidéo, prenez le grade Mega King ou le grade Boss, et vous aurez du coup une grosse dédicace dans ma prochaine vidéo. Et voilà, en plus comme vous avez pu le voir, on est 111 sponsors. À mes 200 sponsors, je vous rappelle que j'organiserai une grosse surprise pour tous mes sponsors qui me soutiennent, quoi. Donc voilà, allez c'est parti, on va aller directement en direction de l'épicerie avant qu'on fasse quoi que ce soit. Parce que du coup voilà, normalement si je dis pas de bêtises, voilà la fantôme, je sais pas trop comment est-ce qu'on pourra la qualifier, mais bon bref, la fille un petit peu bizarre là, Lucie je crois qu'elle s'appelait, on va pouvoir peut-être l'apercevoir et lui demander du coup où est-ce qu'il est mon fils, hein, si elle veut bien me donner des informations sur lui. Donc voilà, alors normalement Lucie elle devrait se situer, ben non, enfin en tout cas le lieu de travail de Lucie est juste ici, voilà, là-haut. Alors on va voir si elle est encore là ou si elle est là. Alors est-ce qu'elle est là? Bah pour l'instant je ne la vois pas. Ah si, elle est là, regardez, elle est juste là. Bah, vous avez pu le voir, elle est encore en train de travailler comme vous avez pu le voir. Bon, ce qu'on va faire c'est que je vais essayer d'aller la voir et je vais lui demander où est-ce qu'il pourrait être mon fils, parce que du coup il n'y a que elle qui le sait. Enfin en tout cas je sais qu'elle le sait, mais après peut-être que d'autres personnes le savent aussi. Donc voilà c'est parti, on va y aller, hop. salut toi, salut Lucie, je suis pas venu là pour te demander si tu allais bien. Lucie, où est-ce que t'as mis mon fils? Il est où mon fils? Qu'est-ce que t'en as fait? Et ton... Il est kidnappé. Comment ça, t'as kidnappé mon fils? Oui. C'est mon fils, t'as pas le droit de le kidnapper. Tu sais quoi? Eh, si tu kidnappes mon fils, moi je vais kidnapper tes deux teddy. Allez hop, ça c'est pour moi. Voilà, c'est gratuit, hop, hop là. Voilà, bon. Dis-moi où est ton fils, parce que sinon tu sais qu'est-ce que je fais du teddy. Attends, je vais te montrer un petit exemple de qu'est-ce qu'on pourrait faire à teddy. Hop, tac. Hop, 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 hop. T'as vu, regarde ce que je tiens dans la main. T'as vu, c'est ton teddy et t'as vu où est-ce que, je regarde là? Tu veux que... Je m'en fous, j'en ai plein d'autres. Ah ouais, bon bah ok, bon bah si tu t'en fous, voilà. Allez hop, t'es dit, c'est ciao. Bon, et du coup, il est où mon fils avec tout ça, là, avec toutes les bêtises que tu fais, avec la méchanceté que t'as fait? Dis-moi. Dis-moi au moins, bah, je non. sais pas. Bon, non, c'est, il est à moi maintenant. Comment ça, il est à toi? Non, 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 c'est mon fils, c'est pas le tien. Si tu veux avoir un fils, t'as qu'à en faire, ou je sais pas, t'en adoptes. Mais ça, c'est mon fils à moi. Donc maintenant, tu vas me dire exactement à quel endroit il est, et on n'en parle plus. Parce que sinon, sinon moi ce que je vais faire c'est que, regarde, attends, je vais te montrer un autre truc, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui t'a pas fait, ce que je viens de te montrer ça t'a pas fait peur, mais j'ai un truc qui pourrait te faire un peu plus peur, regarde, t'as vu ce que j'ai dans la main là? Écoute, j'ai pas envie d'en venir jusqu'à là, mais moi je te conseillerais que tu me dises où est mon fils. Je le dirais pas. Ah ouais, t'es sûr? Attends, regarde, attends, tu sais qu'il est bien aiguisé le couteau, regarde, attends, histoire que je te montre, attends, regarde, t'es prête? Regarde, attends, hop, t'as vu un peu? Je peux casser un bloc. Alors je pense que je pourrais aussi m'occuper de ta tête, hein, tu sais, c'est pas très compliqué, je pense. Non, ça te réveille pas, ça te... Non, rien. Ok. Bon, les amis, comme vous avez pu le voir, je sais pas pourquoi est-ce que Lucie, elle est si bizarre que ça, vous avez vu. Elle est pas du tout en mesure de vouloir négocier, alors que pourtant, elle a bien vu comme quoi j'ai une épée dans la main, et normalement, voilà, les gens que... ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Lucie? Enfin, ouais, ça va? Le mien aussi, il est très aiguisé, alors je te le dirai pas. Wow. Ah ouais, d'accord, ok, ok. Bon, wow. Le tien, il a l'air même d'être encore plus, un peu plus aiguisé que le mien, hein. Ouais, ok, je comprends mieux pourquoi tu m'embrouilles pas. Bon, bah écoute, Lucie, moi, je vais te laisser tranquille, ok. Moi, je vais partir, hein.
Ouais, je pense que ce serait mieux pour nous deux, non? Hein? Ouais, allez, c'est bon, j'y vais. What? Ok, bon. Les gars, Lucie, elle est vraiment très 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 effrayante. Bon, moi je vais faire... Ouais, regardez les gars avec son énorme... Ok, c'est bon, c'est bon. Ok, bon. Les gars, allez, moi je me mets juste en bas pour l'instant. Bon, les gars, comme vous avez pu le voir, Lucie, elle me fait vraiment super peur. Bon, j'ai peut-être un petit plan que je pourrais élaborer dans ma tête. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on va attendre ce soir. On va attendre plutôt qu'elle finisse son travail. Je pense qu'elle finit de travailler à peu près vers 18-19h. Là, il est actuellement midi, donc sur Minecraft. Donc voilà, on va attendre tranquillement qu'il soit 18-19h. Donc en gros, au début de la nuit, je pense qu'elle va sûrement aller voir mon fils. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter pour la suivre. Comme ça, voilà, je connaîtrai l'endroit exact. Et je retournerai évidemment à la base pour, du coup, en pleine nuit, genre à 3h du matin. Comme ça, je vais pouvoir libérer Twitwi. Donc voilà, donc regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. Et puis, comme vous avez pu le voir juste ici, là, je vous présente du coup la boutique de vêtements. Donc voilà ma boutique où il y a plein de trucs différents en ligne, donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour et pourquoi pas prendre un produit, parce que du coup je ferai une dédicace à tous ceux qui prennent un produit. Voilà, vous êtes super nombreux à me demander si j'ai une boutique et tout, et puis s'il y a des tailles enfants. Évidemment, bien sûr qu'il y a des tailles enfants, c'est de la taille kids, donc voilà, c'est pour les enfants allant de 4 à 12 ans, et puis ensuite il y a la taille adulte, voilà, pour tout le reste. Donc si jamais vous avez entre 12 ans et n'importe quel âge en fait, vous pouvez prendre un t-shirt. Et si vous avez même en dessous de, si vous avez entre 4 ans et 12 ans, c'est pareil, vous pouvez prendre un t-shirt. Bref, tous les âges sont bons normalement. Et du coup voilà, vous avez vu, il y a des modèles avec des sweats, il y a des modèles avec des t-shirts, il y a des modèles de coques de téléphone, il y a des modèles avec des tasses, des mugs, bref, il y a tout plein de trucs. N'hésite pas à aller vraiment faire un tour, c'est en première ligne de description que ça se passe, et ça me ferait trop plaisir. Je fais une dédicace évidemment à tous ceux qui prennent un produit, et si vous en commandez un, n'oubliez pas de m'envoyer le produit en photo quand vous le recevrez sur Snapchat ou Instagram, ça me ferait trop plaisir. Et bah écoutez, le temps qu'on a parlé, peut-être qu'il est actuellement voilà 17-18h, hein, on sait pas, et peut-être que du coup Lucie va faire sa pause déjeuner, ou alors sa pause du coup sa fin de travail. Donc on va attendre tranquillement qu'elle sorte de la base et qu'elle aille en direction de l'endroit qu'elle devait aller. Alors je sais pas exactement, hein, où se situe justement l'endroit où elle a capturé Twitwi, mais ce qui va se passer, c'est que si tout se passe bien, elle va sûrement aller à l'endroit où mon fils a été capturé. Donc ah bah tiens, regardez, on la voit, regardez, vous avez vu? Ok, bon, on va la suivre d'assez près. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me cacher derrière les arbres et tout, comme ça on est sûr qu'elle me voit pas. Ok, donc là elle me voit pas, ok. Là, elle va vers là-bas. Ok, bon. Elle est en train d'avancer tranquillement vers une direction. Je sais pas trop c'est où. Ok, alors là, elle va à la mer. Ok. D'accord, bon. Là, je sais pas exactement ce qu'elle est en train de faire. Au cas où, j'ai un jet ski sur moi. Donc, au pire des cas, c'est carré. Voilà. Ok, bon. Oh. Ok, elle vient de partir. Ok, elle vient de partir, les gars. Bon, il va falloir vite que je me pose un jet ski, moi aussi. On va essayer d'aller la suivre de pas trop loin. Ok. Elle est en train d'avancer de quel côté? Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Je crois qu'elle est bloquée au niveau des nénuphars. Ok, ça y est, elle arrive à avancer un petit peu. Voilà, il y a peut-être un petit passage par là. Ah oui, d'accord. Attendez, on va lui déboucher le passage. Voilà, il y a un petit passage par ici. Nickel. Bon, du coup, regardez les gars, elle galère à trouver un passage parce qu'il y a des nénuphars qui bloquent la course. Bon, en tout cas, je pense qu'on a bien compris qu'il faut qu'elle aille tout droit vers là-bas. Donc du coup, écoutez, on va... Ok, regardez, elle avance comme ça. Ok. Waouh, en tout cas, il y a beaucoup de nénuphars qui la bloquent. Hein. Waouh. Ok, bon, c'est un vrai parcours du combattant là-dedans. Allez, on va essayer d'aller la suivre, c'est parti. Alors j'espère que moi il n'y a pas les nénuphars qui vont me bloquer. Donc du coup tac, voilà, hop, par ici, par là. Ok, alors par contre là j'ai plus trop suivi. Ok, elle est là-bas. Elle est là-bas, d'accord. Ok, bon, c'est cool parce que j'ai à peu près reconnu l'endroit où est-ce qu'elle pourrait... Oula, ok, bon, je vais faire demi-tour, c'est bon, j'ai trouvé l'endroit, enfin j'ai reconnu l'endroit du coup où elle pourrait être. Allez, bon, ce qu'on va faire les amis, c'est que je vais rentrer à la maison, je vais m'armer, je vais me préparer, je vais prendre aussi des petites armures et tout, comme ça, si jamais il y a un combat à faire contre cette folle un petit peu, et on va pouvoir le faire assez facilement. Et puis du coup on se retrouve dès qu'il fait nuit. Voilà, je vais à Lille, je vais récupérer du coup des affaires pour me combattre, et puis on se retrouve dans quelques instants. Ok, donc du coup voilà les amis, comme vous avez pu le voir, il fait actuellement nuit, voilà, il fait totalement nuit dans la ville, enfin plutôt sur l'île secrète. Et donc du coup voilà, j'ai reconnu l'endroit où où Lucie a capturé du coup mon fils. Donc c'est parti, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'y rendre. Il faut absolument que j'y aille au plus vite, parce que là les amis, ça peut être très très grave, hein, mon fils, il pourrait être vraiment en danger. Enfin non, il est en danger avec cette femme, parce que vous avez vu, elle est vraiment folle, et je suis sûr qu'elle pourrait avoir des mauvaises intentions envers lui, hein, parce que de toute façon capturer quelqu'un, c'est déjà de ne pas avoir de bonnes intentions de base. Donc c'est parti, on va aller s'y rendre. Voilà, j'ai mon jet ski et tout. On va esquiver tous les nénuphars, parce que c'est vrai que c'était un petit peu galère d'y passer. Hop, voilà, par ici. Alors là, oula, alors là il y a beaucoup de nénuphars. Alors là, il va falloir que je me dissimule et tout. D'accord, ok, par là. Hop, et là, ok, d'accord. Donc là carrément les nénuphars nous empêchent de passer. Ça voudrait dire que... Ah, mais regardez, il y a des jet skis ici. Mais c'est le jet ski de Twitwi, ça.
Ah non, c'est le jet ski de Lucie, là, celle qui était venue. Oh, ok, bon. On va se poser ici, je crois que ça doit être l'endroit sûrement où, Lucie a capturé Tweet. Oh, mais il y a du sang ici. Non. Me dites pas que... Me dites pas que c'est le sang de mon fils quand même. Me dites pas que c'est le sang de Tweetwee. Oh, mais non. Oh là 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 là. Ok, bon, c'est parti, allez. On va suivre du coup toutes ces taches de sang. On va aller voir à peu près vers où elle pourrait nous mener, mais je crois bien que là, on est en train de s'approcher dangereusement de l'endroit où, où Lucie aurait pu capturer mon fils. Donc c'est parti, allez, on va continuer à suivre. Voilà, là vous avez vu les taches de sang, elles mènent de la mer jusqu'à ici, comme si mon fils avait fait une traînée de sang sur son passage. Donc du coup là, ensuite on a du sang qui va mine ici, qui passe là, ici, là, là, ok. Là je vois plus de taches de sang, et ok. Là, c'est la toute dernière tache de sang qui mène à devant cette porte. Mais regardez, c'est une porte qui est totalement condamnée. On ne peut pas entrer. Par contre, regardez, à travers, on peut voir qu'il y a un truc vraiment bizarre qui s'y prépare. Regardez, oh, on aurait dit, vous savez, les sortes de trucs de rituels qu'il y a par là, les rituels sataniques. Et est-ce que par là, on voit quelque chose? Bon, j'ai l'impression de voir une sorte de cadavre. J'espère que Lucie n'a pas tué mon fils. Bon, du coup, on va voir qu'est-ce qui est écrit par là. Ok, donc là, on a des stores. On peut regarder les stores. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ah, mais encore une fois, là, je ne vois pas grand-chose. Hein. Oh, si, il y a mon fils. Il y a mon fils qui est là. Ok, bon, je crois pas qu'il m'ait vu. Alors, qu'est-ce qui est écrit ici? Enter with the secret enter. Ok, donc, entrer par l'entrée secrète, d'accord. Donc, il va falloir qu'on entre du coup dans cette base par l'entrée secrète, qui n'est donc du coup apparemment pas cette porte, hein. Parce que vous avez vu que cette porte, elle est totalement verrouillée. Hein, là, vous avez vu, je clique dessus, mais elle ne peut pas du coup s'ouvrir. Alors, on va devoir trouver une entrée secrète qui pourrait être par ici. Alors du coup, là il y a les stores, donc du coup elle n'est pas là non plus, l'entrée secrète. Hein. Là il y a mon fils par contre qu'on peut voir, donc il faut vraiment vite qu'on rentre avant que Lucie s'occupe de mon fils. Alors du coup, où est-ce que pourrait être l'entrée secrète? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter en haut de la montagne. Peut-être qu'il y a un petit passage ou une trappe quelque part. Alors ok, donc là je ne vois aucune trappe par ici. Là non plus, là non plus. Ok, bon, aucune trappe. Ah, peut-être que... Ah ok, c'est bon. Bon, je crois avoir trouvé la trappe qu'il nous fallait. Regardez juste ici, voilà, là on a une sorte de trappe, voilà, qui s'ouvre et qui se referme. Et donc si je m'utilise maintenant, on peut... Oh, ok, donc je peux déverrouiller la porte et pouvoir entrer par l'entrée principale. Normalement, faites voir un petit peu. Ok, c'est bon. Nickel, donc du coup, voilà. Alors, on va essayer d'entrer à l'intérieur pour voir qu'est-ce qui s'y prépare. Oh, regardez. Tweetwee, tu m'entends? Tweetwee, tu me vois? Oh. Comment ça, t'es le nouvel ami de Lucie? C'est vrai, ça? Mais pourquoi elle a écrit ça? Pourquoi elle a écrit ça? T'es en train de me dire qu'elle a pas d'amis et qu'elle voulait être amie avec toi? Oh, oui, c'est ça. Mais attends, mais elle veut faire quoi avec toi? Elle voulait te faire quoi? Elle voulait te faire du bien? Non, ok, il a du scotch sur le visage, mon fils, ok. On va lui enlever le morceau de scotch qu'il a, tac. Ok, qu'est-ce qu'elle voulait faire? Elle voulait te tuer? Je sais pas, il fait des rituels, je sais pas. Ok, bon, on va essayer d'aller voir si déjà elle dort bien. Alors, franchement, à première vue, elle a l'air de ronfler profondément. Tu penses qu'il faudrait qu'on la... Oula. Ah ouais, elle est en train de ronfler très... Tu penses que c'est ça le meilleur plan à faire, à de l'assommer? Oui, elle peut se réveiller. Ok, chut, on fait pas de bruit. Je vais essayer de voir si je peux l'assommer, mais j'ai l'impression qu'elle est vraiment forte et qu'elle a beaucoup de muscles, et que du coup, si je l'assomme, ça la réveille juste au final. T'es sûr qu'on va pas être dans la... Bon, écoute. Ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de trouver un moyen pour t'ouvrir la porte. Pendant ce temps-là, toi, tu restes ici. Et j'espère qu'elle va pas se réveiller entre-temps, d'accord? Ok. Ok, vas-y, reste ici. Moi, je vais essayer de trouver un moyen, ok? Bon, du coup, c'est parti. On vient vite. Ouais, je me dépêche, tout. Ok, bon. Du coup, voilà, j'ai laissé tout ouvert, etc. J'espère en tout cas pouvoir vite trouver un moyen, une sorte de solution pour, du coup, sauver mon fils. Donc, du coup, on va se mettre en survie, pardon, du coup, voilà. Alors, on va aller voir plutôt... J'ai peut-être un plan. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on se construise une pioche. Parce que, du coup, comme vous avez pu voir, c'est des barbelés en fer, etc. Donc, il va nous falloir une pioche, je pense. Mais une pioche en pierre, ça devrait suffire. Donc, c'est parti. On va se faire ça assez rapidement. Vous allez voir, c'est très, très cool. Donc, du coup, voilà, hop, on va se faire ça assez vite, voilà, hop, l'établi, tac, voilà, tac, ok, il nous manque encore un de bois, on fait la pioche, après on fait rapidement aussi, on fait rapidement la pioche en, pardon, en pierre, et puis après on sera bon, donc du coup, voilà, attendez, regardez, on fait juste ça, ça, ok, donc là, on a la pioche en bois, on va récupérer 3 de pierre, et on va pouvoir se faire la pioche en pierre, et pouvoir aller libérer mon fils, donc c'est parti, voilà, hop, 3 de pierre, 2 bâtons, et voilà, c'est bon, on a la pioche en pierre, c'est parfait. Allez, je retourne rapidement libérer mon fils. Maintenant, faut aller libérer le plus vite possible avant que Marina... Avant que Lucie, pardon, ne se réveille et qu'elle nous fasse... Enfin, et qu'elle fasse du mal à mon fils, ou en tout cas qu'elle fasse encore plus de mal. Donc du coup, l'entrée, elle était juste ici.
Bon, les amis, je crois qu'on vient d'avoir un petit souci, comme vous avez pu le voir. Les portes viennent d'être changées à l'instant même. Regardez ça, la porte est maintenant en fer, donc je ne peux plus rentrer. On va essayer de rentrer par là. Oh, oh, la trappe aussi n'est plus accessible. Oula. Bon, je vais avoir besoin, les amis, de boutons si je veux pouvoir rentrer par ici. Donc c'est parti, allez, on va se créer rapidement des boutons. Donc voilà, bon, heureusement, les boutons, c'est pas un truc trop compliqué à faire. Non, on va peut-être se faire des leviers plutôt, comme ça, au moins, on peut entrer et ressortir tout aussi facilement. Donc c'est parti, voilà, on va aller se faire des leviers par ici. Hop, donc du coup, voilà. Tac, nickel. Allez, voilà, avec ça, normalement, on va pouvoir se faire un levier assez cool. Donc du coup, voilà, c'est parti. On va aller se rendre juste ici. Voilà. Ok, donc du coup là vous avez pu le voir, là j'ai un bouton, nous il nous faut du coup un bâton, tac, et ça pour faire du coup un levier, donc du coup voilà, ok, bon on va faire deux leviers comme ça, on va pouvoir rentrer à chacune des portes, du coup voilà, hop, nickel, c'est bon, ok, bon c'est parfait, on a deux leviers, on va pouvoir déverrouiller la porte du bas et la trappe du haut. Donc allez c'est parti, j'espère en tout cas que Twitwin ne s'est toujours pas fait tuer par Lucie hein, ou que Lucie ne soit pas méchante avec elle, avec lui pardon. Ok donc on va rentrer par ici et par le levier, c'est parti, tac, on arrive à l'intérieur. Oula, oula, Twitwin, Twitwin ça va? Oh, 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 Lucie, papa, Lucie, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es entré? Je suis entré pour libérer mon fils parce que c'est mon fils, c'est pas le tien. Et c'est pas ton ami non plus. Il est pas ami avec toi. Si c'est mon ami. Non. C'est pas ton copain. T'as vu? Il a dit quoi? Il a dit que c'était pas ton ami. Donc maintenant c'est pas ton ami. T'es trop vieille pour moi. Et tu le laisses aller, tu le laisses dehors. Non. Libère mon fils. Il est une meuf. Non. Allez, libère mon fils. Libère mon fils et je te trouverai un ami. Non. Non, 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 j'ai pas envie de rentrer, non, je suis... Non, 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 mais il faut pas que je rentre, moi, je... Vas-y, vas-y, ok. Bon, les amis, je crois qu'on vient de se faire capturer par Lola. Non, mais t'inquiète pas. Écoute, on va réussir à trouver un moyen de sortir d'ici, mais juste quelque chose à te dire. Eh, Twitwin, ne dis jamais à Lola que t'es son... À Lola, à Lucie que t'es son amie, parce qu'elle est vraiment très bizarre. J'ai mal à la libonnette. T'as dit quoi? J'ai mal. Ok, bon. Écoute, ce qu'on va faire, c'est que, voilà, tu dis jamais à Lucie que t'es son ami parce que si jamais... Aïe, 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 qu'est-ce qu'il y a? Arrête, arrête, tu nous fais mal, là. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Bon, rien, les gars, ouais, ouais, on a rien fait, c'est ça. Bon, du coup, voilà, les amis, comme vous avez pu le voir, la vidéo a un petit peu mal tourné parce que, du coup, voilà, on vient de se faire capturer dans une cage pour animaux, là. On a même pas de place pour bouger, on a même pas de place pour dormir à deux. Du coup, voilà, bah, comment ça va, pas mon ami, du coup, ça va? Oui. Libère-nous, ouais. Libère-nous, on n'est pas tes potes, nous, on est même pas amis, nous deux, nous trois. Hein, donc, Apu, c'est ton copain. Ouais, bah, si tu veux, tu peux être ami avec Apu. Vous avez pas voulu être mes amis, maintenant vous serez... Ok, on est tes amis, un petit peu. T'as dit quoi, si on n'est pas des amis, qu'est-ce qui se passe pour nous? J'ai dit, vu que vous êtes pas mes amis, maintenant vous êtes... Allez, on va connaître. Non, 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 mais écoute... On est tes amis. On peut être amis, mais libère-nous alors, libère-nous. Si tu nous libères, on est tes copains. Ah bah tiens, elle nous a donné des pommes, tiens, ça se trouve elles sont bonnes. Ok, on va les goûter un petit peu. Ah, elles sont bonnes, ok. Bon, du coup les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour la vidéo, étant donné que voilà, on vient de se faire capturer par Lucie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trop d'élaborer un plan pour du coup pour nous libérer. N'hésitez pas en tout cas à me proposer des idées de plans. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour se libérer hein, je sais pas. Peut-être que si on se fait passer pour son ami, enfin ses amis, peut-être qu'on va avoir un petit peu de liberté et ensuite on essaiera de s'évader au plus vite. Bref, on verra bien ça du coup durant la vidéo qui sortira demain. C'est pour ça, abonnez-vous tous à la chaîne, mettez un gros pouce bleu. Et puis sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne fin de soirée et à la prochaine. Allez, ciao ciao.